petit, en fait, quand j'étais déjà tout petit, quoi. Je passais sur Avignon et je voyais le Mont Ventoux au loin et je disais à ma mère, quand je serai grand, j'habiterai là, quoi. Et c'est vraiment un rêve de gosse, quoi, que d'être venu habiter ici. En fait, là, c'est mon salon et ma chambre aussi, quoi. J'ai pas d'autres pièces. C'est un choix délibéré que d'avoir laissé l'eau courante à l'extérieur. Ce qui prouve que ma maison n'est pas une habitation. Et si on m'emmerde parce que j'ai construit illégalement, quoi, moi je peux très bien dire que c'est pas une habitation, que c'est une sculpture, une œuvre d'art, une installation. Et que éventuellement je vis un petit peu dedans, quoi. Mais on n'est pas interdit de vivre dans une sculpture, quoi. J'ai une formation d'ébéniste, quoi. Mon premier travail c'était facteur d'orgue. Je fabriquais des orgues de barbarie. Mais avant j'étais comme tout le monde, quoi. J'étais salarié, tout ça, quoi. Et puis après j'ai commencé à voyager, quoi. Et après quand je suis rentré de voyage, après ma vie elle a changé, en fait. Et j'ai commencé à vivre dans des caravanes, à vivre un peu plus proche de la nature, quoi. Voilà. Le premier voyage, c'était à Madagascar. J'étais parti pour 2 mois, je suis resté 6 mois. Là-bas, j'avais plus d'argent. J'ai su que voilà, on pouvait vivre avec rien. Et voilà, et là-bas, je travaillais, je fabriquais des prothèses pour les lépreux. Donc voilà, en bois et en cuir. Donc voilà. Après, quand je suis rentré ici, la vie était beaucoup plus simple, quoi. Salut Robin. Salut Jacques. Ça va? Ça va? Ça va bien? Super. C'est mon pote Robin, quoi. Il est musicien. C'est un super bon guitariste. Voilà, ici c'est aussi c'est l'endroit des artistes. En tout genre. Voilà. Et entre autres, il a un excellent miel que ses parents font. En 2010, c'était vraiment un jour particulier, c'était le jour du printemps. C'était le 21 mars 2010. Je pars le matin au village chercher un pot de miel, 4 yaourts. Le temps que je remonte, un copain me téléphone, il me dit « Jacques, viens vite, il y a ta roulotte qui a un feu ». J'habitais une roulotte que je m'étais fabriquée il y a une quinzaine d'années, quand j'étais rentré justement de Madagascar, de mon premier voyage. Je vivais ici tranquille, j'étais bien. Et la roulotte, elle a brûlé. Du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvé, j'avais plus rien, quoi. Juste ce que j'avais sur moi, mes habits, mon slip, mes chaussettes, quoi. C'est tout, quoi. Comme à l'époque, j'avais pas de banque, les 4 économies que j'avais, je les avais laissées dedans. Ça fait que j'avais plus rien, en fait. Plus rien de. Plus d'argent, plus rien. Donc bon, ben voilà, c'est là qu'on se rend compte, voilà, qu'on est tout seul et à la fois qu'on n'est jamais tout seul parce que tout ce qu'on a donné avant, ben, on nous le rend. Mais comme je disais, voilà, c'était un bon nettoyage de printemps, en fait. C'était vraiment un bon gros nettoyage. Il fallait brûler des choses, rentrer dans la nouvelle vie, quoi. Une vie plus détachée aussi de la matière aussi. Donc mais voilà. Mais voilà, c'est l'endroit où ça a brûlé. La roulotte, elle était là, juste là. Là où je me trouve là. Elle était appuyée contre la terrasse. Pendant 2 mois, je suis pas revenu ici. J'ai pas pu nettoyer de suite et tout. C'était le choc était trop fort, quoi. Les pompiers sont arrivés, ils ont tout arrosé, ils ont tout cassé avec des haches, même ceux qui n'étaient pas brûlés et tout, ils ont tout cassé avec des haches. Et moi j'étais assis là sur le mur, j'ai tout vu, quoi. C'était un drôle de truc. Je l'ai un peu fait à l'arrache, c'est un peu vite fait quand même. J'ai mis qu'un mois pour faire ma cabane, je l'ai montée tout seul. Il n'y a personne qui m'a aidé, j'ai tout fait tout seul. Et du coup, ben voilà, j'ai une nouvelle maison.
c'est là que je suis bien, quoi. Énormément de balades, je vais serrer des arbres, parler avec les arbres, avec les fleurs, avec les anges, tout ça, ça fait partie de mon quotidien, quoi. Ils sont conscients aussi qu'on est là et ils sont bienveillants à notre égard, ainsi que les animaux aussi. On vit vraiment tous, on est tous reliés, quoi. Tout est relié sur la Terre et dans l'univers, quoi. Ça aussi, ça fait partie de mes passe-temps. La truffe, quoi, l'hiver surtout, quoi. Je cherche comme ça, avec une mouche, avec un bâton. Je cherche la mouche, et là où elle est allée, la mouche, je creuse. Ce que je trouve, je le partage, en fait, avec mes amis, j'en donne, j'en fais pas le commerce, quoi. Je les donne, j'en mange beaucoup. Même des fois, j'ai plus rien, j'ai pas d'argent ou quoi pour acheter à manger. J'ai juste des patates, un peu de beurre, de l'huile d'olive. Et voilà, en ramassant des truffes, ça va, ça me fait des bons petits repas, quoi. Je mange comme un roi, avec rien du tout, en fait. On vit en très bonne entente avec les chasseurs, quoi. Là, il y a un exemple de leur cabane, quoi. Leur cabane, quand on est arrivé, en fait, la première année, ils avaient installé des grives là, sur les bois. Et la première année que je suis arrivé, ils ont un peu tiré de la cabane sur les grives. J'ai reçu des plombs sur la cabane. Alors j'ai crié, oh, comme ça. Et après ils ont abandonné la cabane de celle-ci, quoi. Ils ont donc construit une plus haut, quoi. Donc c'est tip top, quoi. Je pense que la société, elle est mal faite, qu'il faut sortir de ce système. Que tout est dirigé par des banques, qu'il faut plus partager, qu'il faut plus s'entraider. Mais bon, je pense qu'il faut refaire des tribus, quoi. Il faut se reformer en tribu, quoi. Pour le commerce, déjà, commercer localement, acheter au plus proche de chez soi. Je suis un humaniste, progressiste. Voilà, je crache pas un bloc sur la société, ça m'intéresse pas, je préfère l'ignorer plutôt que de cracher un bloc, quoi. Voilà. Mais effectivement, il y a plein de trucs que je suis pas d'accord, et du coup, ma manière de vivre est une revendication aussi, et un esprit de, entre guillemets, de désobéissance civique, quoi. Mais qui est aussi de l'ordre de la résistance, comme pendant la guerre, la résistance, la même chose, quoi, une résistance contre des idées, contre des modes de fonctionnement, contre les banques notamment, les assurances, tout ça, c'est ces gens qui décident de qui a le droit de manger sur la planète ou pas, et
Et je, effectivement, je suis que je j'adhère pas. Par exemple, j'ai pas d'assurance pour la voiture, pas d'assurance pour la maison, tout ça. J'ai décidé de pas adhérer à ça, quoi. Je profite en rien, quoi. Je perçois pas de RMI, j'ai pas d'assurance maladie. Je profite en rien, quoi. Moi, je vis ma vie. Je sais que il y a plein de gens qui me voient vivre et qui ont envie de vivre comme moi aussi. Ça donne envie à plein de gens. Et ça, je m'en réjouis, quoi. Ça me fait vachement plaisir. Peut-être que demain, je serai mort. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'aurais bien vécu, quoi. J'ai bien mangé, j'ai bien fumé, j'ai partagé des choses avec des gens. Voilà. J'ai pas de projet particulier, quoi. Je finirai certainement mes jours ici, mais peut-être que ça sera demain, peut-être que ça sera après-demain. J'espère que ça sera vraiment après-demain, quoi. Au plus t'es ouvert, au plus t'essayes de vivre avec toi, quoi, avec soi, avec les autres, avec la nature, quoi. Au plus tu te rapproches de ta vraie nature, en fait, quoi. Et ça, c'est super important, quoi. Ça fait vraiment du bien, quoi. Ça permet de, voilà, d'être libre dans son cœur et dans sa tête, quoi. Et ça, c'est une belle expérience de vie, quoi. Salut Jacques, ça va toujours? Super la guitare. J'ai ramené la guitare. Une petite thé? Avec plaisir. Qu'on appelle le pèbre d'âne, le poivre d'âne, donc en provençal, et c'est le. Aussi, elle est appelée l'herbe du satyre, parce que paraît-il, elle donne des bonnes érections en tisane, quoi. À tester. Très efficace.
goûter. Je vais en goûter un peu pour le fromage. Carrément, non, carrément. Ouais. C'est... Avec ta copine quoi le soir. Non, ça... oui, on va se faire un fromage tous les deux. Voilà, ouais. Tu lui dis pas quoi que ouais, c'est. Rien, c'est vrai, j'ai mis des petites idées. Ah, mais ça, je t'ai fait une petite infusion aussi avec. Tu me dis Barry White. Voilà, Barry White, et tout va bien quoi. Bon, ciao.